Bonjour à vous, mes chers abonnés, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très sympa avec les éléments de chez nous que vous connaissez très bien. Là, il s'agit de ail. Là, il s'agit des crocs de girofle. Mes chers abonnés, là-dessus, c'est très simple et très efficace. Et vous avez des entreprises, et vous avez des supermarchés, vous avez des boutiques et rien ne va. Rien ne va, je dis bien rien ne marche. Pour trouver des clients dans vos boutiques, dans votre café, dans ce que vous faites dans la boutique, à peu près c'est 2 personnes par journée. Et vous voulez augmenter le nombre, c'est très simple, mais c'est abonné. Vous voyez ces 2 éléments, l'ail, vous allez chercher un seul ail, et vous allez chercher, si vous êtes femme, vous allez chercher 4 crocs de girofle. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, si vous êtes femme, vous allez chercher 4 crocs de girofle. Si vous êtes homme, vous allez chercher 3 seulement. Vous allez chercher 3 crocs de girofle. Voilà. Vous avez des entreprises où la boutique est rien ne marche, mais vous voulez améliorer votre revenu, votre vente, attirer la clientèle dans vos boutiques. C'est très simple, mais c'est abonné. Parfois, il est lié à la sorcellerie. Parfois, c'est lié à la sorcellerie. Parfois, c'est lié au blocage. Et vous avez fait des différentes sortes de bains. Le bain de séance, bain de déblocage, bain d'attirance clientèle, bain de etc. Mais rien n'a changé. Et prenez ces 2 éléments. L'ail et 4 crocs de girofle. Si vous êtes femme, vous prenez 4 crocs de girofle. Si vous êtes un homme, vous prenez 3 mélangés avec l'ail. Mais si vous êtes femme, vous prenez 4 mélangés avec l'ail. Je n'ai pas dit 2 ail, j'ai dit un seul. Et les crocs de girofle, j'ai dit 4 si vous êtes femme. Et si vous êtes homme, 3. Voilà. Et vous avez des boutiques. Vous allez nettoyer complètement le lieu. Votre boutique, votre entreprise, là où vous êtes, vous allez nettoyer l'endroit correctement, propre, et vous cherchez un coin pour déposer l'ensemble comme ça. Vous allez chercher un coin dans votre boutique, dans la boutique, et vous le déposez comme ça. Je vous assure, ça va attirer totalement des clients, pas possible, vous ne pouvez même pas compter. Et si vous êtes un homme et vous voulez avoir la chance aussi sur ça, avoir les ouvertures, les opportunités à vos affaires, si vous savez que vous voulez vendre quelque chose à un client, mettez ces 2 éléments dans votre poche pour rencontrer la personne. Ainsi à vous aussi les femmes, si vous avez un rendez-vous ou bien un événement, vous pouvez prendre ces 2 éléments et prendre un petit sachet, vous le mettez dans votre sac que vous gardez pour aller. C'est très efficace. Vous pouvez aller rencontrer la personne. Si vous voulez vendre quelque chose, un objet, en tout cas, tout ce que vous voulez vendre dans la vie, vous pouvez le prendre et mettre dans votre poche pour aller rencontrer l'acheteur. L'acheteur ne va pas douter. Il va accepter. À vous les femmes, mes soeurs, soeurs, si vous voulez demander quelque chose à votre mari et qu'il est trop avare, je vous assure, un matin très tôt comme ça, prenez ces 2 graines. L'ail et les crocs de girofle, vous le mettez dans votre poche, vous saluez votre mari le matin très tôt comme ça et vous lui demandez tout ce que vous voulez. Je vous assure, il ne veut même pas refuser. Il ne va même pas refuser. Il doit accepter. Je vous assure, cette astuce est très efficace. Les gens en ont témoigné dans mon groupe WhatsApp. Si vous êtes homme,
vous pouvez attirer l'attention des femmes avec ces deux éléments-là, l'ail et les clous de girofle. Je continue encore pour dire à vous les femmes, vous pouvez le faire pour demander à un homme les faveurs, même s'il est loin. S'il est loin, vous le prenez un matin comme ça, vous prenez votre portable, ou bien si la personne est proche, ou bien comment, je ne sais pas par quel moyen vous l'avez contacté, appelez-le, même si c'est un message, vous l'appelez. Le truc est déjà dans votre poche, les deux éléments sont dans votre poche. Dit monsieur, bonjour, comment vous allez? Et vous allez poser votre problème. Je vous assure, la personne ne va même pas insister. Parce que l'ail, si c'est la sorcellerie qui vous fait bloquer votre vie, et l'ail est là, l'ail nettoie les étoiles, ça purifie le corps, ça enlève les mauvais ongles qu'on a sur nous. Ça enlève tout sur nous. C'est pourquoi on dit souvent avant de dormir, même si vous dormez comme ça, vous pouvez prendre 4 graines d'ail et déposer au pied de vos lits. Ou bien vous pouvez le faire et déposer aussi dans votre chambre. C'est très bon, c'est très efficace. Vous voyez, s'il s'agit de la sorcellerie, là il va détruire l'envoûtement que vous avez sur votre corps. Et nous tous, on connaît le secret du clou de girofle. Le clou de girofle permet d'attirer la chance, permet de faire rentrer le bonheur. Vous voyez? Donc, si vous utilisez ceci et qu'il y a un blocage de la sorcellerie, l'ail débloque. Et la tige de clou de girofle marche. C'est pourquoi je vous dis, mes 16 abonnés, c'est très simple. Si vous avez des boutiques, quel que soit là où vous vendez, vous prenez votre deux éléments et vous allez les déposer dans votre coin. Vous allez purifier l'endroit là comme ça avec ces deux éléments et c'est très 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 efficace. C'est très très efficace. Ça va vous permettre d'attirer des clients pas possible. Ça va vous permettre que les gens viendront dans votre lieu de boutique, dans vos supermarchés pour l'acheter. Essayez la tige avec la foi. C'est toujours ma chaîne qui est là, mes chers amis. C'est ma chaîne qui est là. Et faites la tige et venez me faire le compte-rendu. Et revenez me faire le compte-rendu. Et je vous le dis à vous, mes chers abonnés, toujours que mon numéro se trouve en premier commentaire. N'allez pas loin chercher mon numéro. Mon numéro se trouve en premier commentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Partagez ma vidéo avec vos proches. Faites ces deux éléments, la tige de ces deux éléments, et vous allez revenir me témoigner. Merci beaucoup. C'est toujours ma chaîne. Je vous aime.